Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle analyse, une analyse de séquence, celle d'un film anglais, London to Brighton, un film de Paul Andrew Williams. Or, un film anglais, pourquoi tout d'un coup un film anglais complètement inconnu? Eh bien, c'est un film qui m'a surpris. Voilà, cette scène est si différente du film entier, elle est à part. Voilà, alors, je trouvais que c'était très intéressant cette scène-là. Donc, le film, en gros, c'est une affaire de prostitution, une prostituée qui s'échappe, qui va être rattrapée par son proxénète, qui va la forcer à aller dans un endroit spécial. Et cet endroit spécial, eh bien, c'est la séquence, justement, qui est filmée complètement différemment. Le film a des teintes de caméra portée, bien sûr, cinéma anglais, on pense tout de suite à Ken Loach, le spécialiste, on va dire, de la caméra portée là-bas. Eh bien, cette scène est complètement différente dans la façon dont c'est fait. Il y a un côté sexuel et pervers dans la mise en scène, carrément. Et quelle mise en scène, voilà, c'est vraiment une analyse que je trouve assez pertinente sur un extrait qui est, voilà, assez spécial. C'est une ancienne analyse, donc j'avais encore mon micro-casque un peu pourri, mais je trouve que l'analyse est vraiment très sympa. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description, parce que, bien sûr, c'est un film qui a reçu des prix, qui a des copyrights, et donc je ne peux pas comme ça le mettre sur YouTube direct. Pac ! Non, c'est pas possible, parce que sinon, vous voudriez pas que ma chaîne se fasse virer, n'est-ce pas ? Donc oui, à travers un lien dans la description, vous pourrez accéder à l'analyse complète. Il y a plein de jeux de regard, une histoire de hors-champ, c'est très très bien foutu. Ça vous donnera peut-être envie de regarder le film, parce que c'est un peu le but aussi. Je fais une petite pause, je le rappelle, pour les films de Disney, parce qu'il faut que j'écrive les textes, et là je suis un peu non seulement surbooké, mais aussi un petit peu saturé. Donc ça reprendra bientôt, faut pas vous inquiéter. Quant à moi, je vous souhaite bonne vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut !